L'idée d'avoir un passeport sanitaire, je trouve étonnant qu'un certain nombre de gens, ceux qui sont souvent très répressifs et contre la racaille, etc., se comportent comme des racailles en disant pas de masque, je songe à Philippot ou à des gens comme ça, qui ont activé d'ailleurs une campagne contre moi sur le net quand j'ai fait savoir effectivement que j'étais pour le pass sanitaire, en disant mais vous avez bien sûr le droit de contaminer les gens, il n'y a aucun problème, vous pouvez aussi quand vous avez le sida avoir des rapports sexuels avec des gens non protégés, c'est un droit, allez-y, et estimer qu'effectivement vous avez une jeune fille qui vous plaît, vous avez le droit de la violer. Mais cette façon de concevoir que le droit de nuire est un droit me sidère. Donc je dis, vous avez le droit de ne pas vous faire vacciner, c'est entendu. C'est ce que vous reprochent certaines personnes dont on a lu les commentaires. Ils disent, mais Michel Onfray, que l'on pensait comme étant assez proche des libertés, finalement, peut être liberticide par Non, parce que les moment. libertés chez ces gens-là, c'est le pouvoir de nuire. Il n'y a pas de liberté de violer, il n'y a pas de liberté de voler, il n'y a pas de liberté, même pour moi, d'insulter, il n'y a pas de liberté de conduire ivre-mort, il n'y a pas de liberté de couper la tête des gens, il n'y a pas de liberté de dire que les chambres à gaz n'ont pas existé ou je ne sais pas quoi. Il y a un moment donné où la liberté, c'est pas la licence.